Baramasa, baramasaï, barakinti bilio. Mini sandae, alléluia, alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus et je vous souhaite encore mes voeux de bonnes et heureuses années 2023. On se retrouve encore pour écouter la parole et encore faire l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que cette année soit une nouvelle année. Et ce qui s'est passé en 2022, que ça ne se répète plus. Et que tout soit nettoyé et que tout soit balayé. Et que l'année 2023, qu'on voit la gloire de Dieu s'éclater dans la vie des enfants de Dieu. Soyez richement bénis. Prenons nos Bibles dans le livre de Job 22, à partir de verset 21 jusqu'au verset 28. Job 22, à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Oui. Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Verset 22. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans tout ton cœur ses paroles. Alléluia. 23. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Alléluia. Verset 24. Jette l'or dans la poussière. L'or t'offit parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, alléluia, ta richesse. Yesu bainake. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. Wow. Tu le prieras et il t'exaucera. Ouais. Et tu accompliras tes vœux. Tes vœux. Verset 28. Yesu. À tes résolutions répondra le succès. Yeah. Sur tes sentiers brillera la lumière. Code l'obaï nason télébibi. Alléluia, alléluia, alléluia. Cette année 2023, le thème, c'est à tes résolutions. C'est Job 22, verset 28. À tes résolutions reprendra le succès. Bye, Lord. Alléluia. Cette année 2023, Yesu baina sote le bibi. La keria na sonta la dada. Le korasi tiri boy. Tu as résolu quoi, oh mon enfant, mon petit enfant? Qu'est-ce que tu as résolu dans ton cœur? Tu as résolu de suivre Jésus dans l'honnêteté. Tu as résolu, nice Lord, de faire son œuvre. Tu as résolu, bye, pour obéir à sa parole. Obéir à ses commandements, nice Lord. Faire sa volonté. Qu'est-ce que tu as résolu? À tes résolutions répondra ton succès. Répondra ton succès, le mariage, la réussite, tout ce que tu veux sur la terre. Alléluia. Tu as résolu quoi? Quelle décision tu as prise? Alléluia. Est-ce que tu as pris la décision d'être dans les critiques, dans les murmures, dans les injures? Oh, ah, qu'est-ce que tu as résolu? Manina toria na sonde. Glory na ki sandoro dai. Yabiri na sunta la dede. Marara koti ridai. Il dit qu'il est le chemin, la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit, ce soir, par ma bouche, que c'est lui qui donne la vie. Nice Lord. Il donne la vie. Il la donne en abondance. Qu'est-ce que tu as résolu? Regarde cette femme qui avait eu le père de sang pendant 12 ans. Minina Torabako Sandoloba Ilalo. La Bible nous parle de cette femme qui avait eu le père de sang depuis 12 ans. La Bible nous dit que cette femme, elle avait résolu dans son cœur. Si j'ai pu toucher son vêtement, si j'ai pu faire sa volonté, et je serai guérie. Elle avait perdu tout son argent. Je ne sais pas ce que tu as perdu depuis l'année 2021, 22,
Tu as perdu quoi, Naya Sondele Bibi? Qu'est-ce que tu as résolu pour que Dieu te fasse grâce? Tu as résolu quoi, Nanina Boussette Loubou? Tu avais dans ton cœur résolu de prendre un verre, et résolu d'aller prendre un verre avec vous, avec tes amis, résolu d'avoir des copains, au moins 5 ou 10, parce qu'ils vont te donner 5 francs, ils vont te donner ceci. Mais qu'est-ce que tu as résolu en 2023? Mananatoria na sauté. Il est à la porte. Il dit, si tu ouvres, il va rentrer, il va souper avec toi. Maintilo. Glory na sauté. Il va rentrer, il va souper avec toi. Et tout ce que tu as vécu depuis des années, tu vas les oublier parce qu'il est à la porte. Il est à la porte pour cette année 2023. Praise God. Tout ce qui a été retard, tout ce qui a été les désolations, tout ce qui a été comme hémorragie, si tu as résolu dans ton cœur que tu vas faire la volonté de ton créateur, tu vas faire la volonté de celui qui t'a créé, tu vas faire la volonté de celui qui est en train de te parler ce soir, l'hémorragie s'arrête. Mais dit l'Esprit de Dieu, mind. L'hémorragie, ça, la tauria n'a sauté. Les difficultés, ça, les pleurs s'arrêtent. La mort s'arrête. Parce qu'il est la vie. Il est la résurrection et la main. Le Lois God. Il t'accorde la vie, une vie. Une vie que tu pouvais même pas, tu peux pas estimer à quoi que ce soit. À tes résolutions répondra ton succès cette année 2023. Si tu crois à cette parole, marche selon sa volonté, selon sa parole, et tu verras que la parole que tu as entendu de lui depuis longtemps, et que tu n'as pas cru, et que tu as pris ça comme si ça ne fait rien, d'après les enfants, et les Ivoiriens, tu as pris ça comme si ça ne fait rien, ça sera comme si ça ne fait rien, mais si tu prends ça au sérieux, si tu as pris cette parole au sérieux, et que tu crois cette parole, et que tu saisis cette parole, et que tu fais sa volonté, cette année sera ton année. Cette année est ton année. Alléluia. Cette année est ton année de gloire. Cette année est ton année d'explosion de ton ministère. Cette année est ton année où tu portes ton vêtement de noce. Cette année est ton année où il fait de toi une personne de témoignage. Une année est ton année où tu prends maintenant la mégaphone pour dire Jésus est bon. Cette année, si tu as résolu dans ton cœur que tu vas le suivre dans l'honnêteté, dans la droiture, et que tu fais de lui toi-même ta vie, tu vas voir qu'il y aura un changement radical et que tu ne vas plus pleurer et que tu ne vas plus te lamenter et que tu ne vas plus te murmurer, mais tu vas dire seulement Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. C'est ce que tu vas dire. Ce soir, dis-lui merci de ce que tu entends, tu es en train d'attendre. Dis-lui merci parce que tu as résolu de marcher avec Jésus-Christ dans l'honnêteté. Hey, tu as décidé de ne plus avoir des copains, des copines, des quoi, mais que tu veux attendre ton jour de noces pour porter maintenant ton vêtement de noces. Et ce jour, les rides vont disparaître. Tout va disparaître et on va que ça sera la gloire de Dieu va s'éclater dans ta vie. Et tu seras une personne de témoignage. Dis-lui merci ce soir. Dis-lui merci, papa. L'année 2023 est mon année. Nice, Lord. Mon année de noces, mon année de travail, mon année de succès, bouge là. Mon année où je suis à la tête, mais plus jamais à la queue. Mon année de considération, parce qu'on ne me considérait pas, parce qu'on disait que je suis rien et que je n'ai rien. Mais l'année où tu m'accordes la clé de David qui ouvre partout, tu ouvres maintenant le portail de bénédiction au devant de moi. Papa, je te dis merci ce soir parce que tu m'as parlé, tu as parlé à mon âme, tu as parlé à mon cœur. Je te dis merci. Merci pour l'année 2023 qui commence avec des témoignages. Qui commence avec des prodiges, qui commence avec le miracle dans ma vie. Merci Jésus-Christ. Merci de ce que tous ceux qui ont entendu ta voix ce soir, cette année est leur année de témoignage. Je plonge leur vie, je plonge leur bénédiction dans le sang de Jésus-Christ. Leur vie est barricadée par une miracle de protection. Ceux qui entendent ta voix
Oh Jésus-Christ, ce soir, c'est leur délivrance. Je vais te rendre toute la gloire parce que tu le fais. Tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus. Amen.